Bienvenue à tous, bienvenue à vous tous d'avoir fait déjà le déplacement jusqu'ici. Je sais que certains d'entre vous viennent d'assez loin, donc merci beaucoup, merci aux parents. Donc voilà, vous serez 10 équipes sur 32 hectares, donc vous aurez de la place pour vous exprimer. Au niveau pêche en tout cas, et donc ça sera, voilà. Je pense que c'est vrai que c'est un petit peu le changement par rapport à l'année dernière. Donc vous êtes cette année plus nombreux en fait que l'année dernière. Donc ce qu'on voulait c'était avoir un petit peu plus de compétition encore. Là, exactement. 10 équipes, et donc voilà, ça va être plus serré, ça c'est sûr, pour chacun d'entre vous. Quoi. Ouais. Donc comme vous êtes plus nombreux par rapport à l'année dernière en équipe, donc les équipes seront plus réparties sur plus long au niveau du plan d'eau, et les poissons sont assez sectorisés en ce moment. Donc ce qu'on va faire pour que chacun ait sa chance, en fait, on a fait des secteurs. Donc par exemple, là, les postes les plus près du château, donc le secteur A, on aura les postes 2, 3 et 4. Donc ça sera le secteur A. Sur le secteur B, on aura les postes 6, 8, 10 et 11. Il y a 4 postes. Et sur le secteur C, on aura les postes 12, 13, 14. 3 secteurs A, B, C. Et sur chacun de ces secteurs, si vous remportez votre secteur, vous avez la certitude d'être au podium. Après, évidemment, il faut départager, puisque un podium, c'est 3 gagnants, donc par rapport aux 3 secteurs. Et donc après, le partage le départage se fait par le poids de poisson. Oui, c'est ça. Au niveau de la pêche, donc la pêche démarre à midi. Donc vous avez un petit peu plus d'une heure pour vous installer. Donc la pêche, l'amorçage, tout démarre à midi. Et puis voilà, dans les grandes lignes. Donc ce qu'il faut aussi rappeler, qui est important, les coachs, vous n'avez rien le droit de toucher. Vous devez donner des indications, mais vous n'avez pas le droit de toucher une canne, vous n'avez pas le droit de lancer une canne, vous n'avez pas le droit d'épuiser un poisson, rien. Vous donnez juste des petites directives, entre guillemets, plus des conseils. Vous pouvez donner des conseils. Des conseils pour les jeunes. Mais en aucun cas, vous pouvez agir sur la pêche. Voilà. Donc, vous avez compris, ça démarre à midi, donc on vous a un peu le temps de vous installer. Ça termine demain à midi. Donc, vous avez votre poste, vous pouvez aller sur votre poste, vous installer, préparer tout ça. Et puis, on se donne rendez-vous sur chacun de vos stands avec plein de poissons. Salut les gars, c'est Alan Blair. À cause de Covid, je n'ai pas pour vous, mais j'ai ten à vous laisser ces messages pour sauter bonne chance pour cette bataille. Je suis sur vous, vos mentors vont bien vous accompagner et vous donner quelques astuces pour tenter de gagner cette compétition. Vous êtes sereine, très jolie et tongue, encadrée par des pêcheurs passionnés. Ladies and gentlemen, I am so sorry that you've just had to endure listening to that. It reminded me very much of the Eurobank 6 introduction. My French is terrible, so I apologise for my French, but more importantly, I'd like to apologise for not being able to attend this weekend. Yes, huge COVID restrictions have stopped me from coming to spend some time with you guys. I was very much looking forward to it, but I have no doubt that you're still going to have an amazing weekend with amazing people. Big up the Nash French team. 4, 3, 2, 1... C'est parti? Allez, c'est parti. Parti pour la battle 2021. Let's go! Il en peut plus là! Respire. Allez, regardez ce que vous avez fait quand même, les gars. En fait, c'est un poste où il y a toujours du poisson, parce qu'on a une grosse zone de nénuphar juste devant nous à 50 mètres. Donc la pêche se fait là en fait. C'est pas une pêche compliquée, c'est une pêche de rappel, au spawn. Et les garçons se débrouillent très bien parce qu'on a déjà 3 poissons en sec. Ils viennent de faire un petit départ là, les gars, c'est pas mal, ça commence bien. On va voir si on arrive à convertir le poisson, en espérant le mettre à l'épuisette. Un beau combat, un beau poisson, une belle stratégie d'équipe.
et ça a payé. Et voilà. Nickel. Enfin, première touche, on est vraiment content là parce que les gars ils ont pas chômé toute la journée, on a spodé, on a mis des billes en quantité, je pense qu'on a dû passer au moins 5 kilos aujourd'hui. Et là, on a juste allongé les cannes de 3 mètres, et elle a pas fait un quart d'heure. Donc je pense qu'on a peut-être trouvé la solution au problème. Donc là, j'espère que Théo il va me sortir ce poisson parce que franchement, ça pourrait vraiment nous faire remonter au score. Et ouais, les gars ils sont heureux, les jeunes ils sont tout contents, donc que demander de plus? On se régale. Yes. Boum! Enfin! C'est la récompense. Oui. Hein? Oh, il se débrouille bien là, le petit. Voilà, un petit doublé en cours, on peut dire qu'il se débrouille même très bien. Attaquer très fort hein, sur chacun des postes. Je dois dire qu'en fait les stratégies sont complètement différentes d'une équipe à une autre. Certains ont attaqué au glaçon, d'autres en stick pour essayer de prendre des poissons qui étaient directement là. D'autres ont envisagé plutôt d'amorcer en imaginant pouvoir regrouper un maximum de poissons et essayer de faire du rendement. Bref, on voit qu'il y a différentes stratégies qui se dessinent. Et puis bah, assez vite, il y a le poste 12 bis qui a enchaîné la première capture. Donc c'est l'équipe de Julien. Et puis très rapidement, c'était vraiment dans un mouchoir de poche, l'équipe de Quentin et des filles en fait. Donc on a la chance d'avoir un binôme de filles qui a enchaîné directement aussi avec une capture. Et puis là, sur cet après-midi, finalement, il y a d'autres captures qui se sont faites. Et je pense notamment au poste de Johan. Avec deux compétiteurs là qui ont les deux jeunes, on voit, et ils ont bien bourriné cet après-midi. Il y a eu du poisson de capturé et ils reviennent. C'est très serré maintenant entre 12 bis et 4. Mais bon, rien n'est joué en fait, j'ai envie de dire, puisque la nuit va arriver. On le voit, on est vraiment sur la fin de journée. Et à mon avis, les cartes vont complètement être rebattues dans le courant de la nuit. Donc voilà, suspense, on verra demain matin. Non, mais ce poisson, il le mérite vraiment, les jeunes, parce que depuis cet après-midi, ils ont fait que de se poser toutes les deux heures, je les ai fait relancer les cannes. On était un petit peu emmerdés avec les poissons chats. Et là franchement c'est que du bonheur, ils sont heureux. Un poisson de 11 kg, une belle commune. J'espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas cette nuit, ils peuvent compter sur moi pour les réveiller toutes les deux heures. Et toutes les deux heures on va respawner. J'espère que vous êtes prêts hein. Ouais. Minuit, ouais, ça a démarré, là. On a pris un banc de poissons, donc les filles ne se sont pas arrêtées, voilà, on a pris les poissons, réamorcé dessus au cobra, à la bille, et puis on fait trois poissons, donc on est bien content.
là, quand à 6h la canne elle s'emballait, bah, c'est génial. Parce que là, les gars, vous avez vu, c'est toute la nuit, on a remis les cannes, on a placé de nuit, on a remis des bouillettes au cobra. Et là, big récompense, 6h du mat, ça déroule. Donc, mine de rien, c'est là que tu vois la satisfaction et surtout la stratégie de pêche qui a fonctionné là-dessus. Cool. Une belle nuit, parce que c'est ça aussi la compète. Hein. Faut rien lâcher. Tout ça, on peut se dire, c'est que un poisson. Mais quand tu es récompensé d'un travail acharné, c'est encore plus valorisant. Voilà. On est en plein milieu de la matinée, ouais. Bah, la pesée n'est pas tout à fait terminée. Il reste encore quelques postes à faire. Ouais. Quelques postes à faire. Ouais. Bah hier je l'annonçais un petit peu, rien n'était joué et on l'a vu dans la nuit, il y a eu franchement beaucoup de changements quoi. Ouais, ouais, il y a eu beaucoup de changements. Il s'est fait quand même pas mal de poissons. Pas mal de poissons sur certains postes. Ouais. Après on voit des postes où les poissons bougent pas mal, donc sur le matin je pense qu'ils vont peut-être pouvoir faire quelques fiches et ça peut quand même chambouler le classement. Ouais. Mais, est-ce qu'on a un podium qui se dessine là? Pour l'instant, il y a quand même des postes qui se démarquent malgré tout. Il y a des postes qui se démarquent, mais je dirais qu'il y a au moins une place, peut-être deux places du podium qui sont encore pas. On ne sait pas trop. Ouais. C'est pas acté en fait. Non, c'est pas acté. Il reste encore du temps de pêche. Il reste encore quelques heures. Donc, ça peut changer. On espère que les meilleurs vont le remporter. Ouais, tout à fait. Bon après le point positif, c'est quand même il s'est fait pas mal de poissons. Ouais. Pratiquement toutes les équipes ont fait du poisson. Ouais. Donc ça c'est. Il reste quand même Tommy. Ouais. Qui était gagnant l'année dernière. Ouais. Et qui est encore capot. On lui souhaite de faire un fiche. Ouais, on espère. Alors, on va terminer cette pesée. Allez, c'est parti. Go. Ouais, 2-3. C'est cool. Ouais. Bien joué les mecs. Vous êtes content? Ouais, ça va. Ouais, on est allé la chercher celle-ci. Ouais. Ça nous a mis du temps à venir. Et voilà, donc ça a payé. On fait 3 touches, 2 poissons. Et dont cette magnifique miroir, un beau poisson, un vieux poisson. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Donc c'est cool. Alors, juste avant la fin, là, ça fait du bien. Faut secouer. Ça marche plus. Bon, écoute, ils ont quand même entendu un petit peu. Bon, ils ont entendu. Allez, venez là. Vous avez pensé quoi de ces 24 heures un peu compliquées, mais. Ah, on s'est bien amusé. C'était trop bien. C'était drôle. Ouais, on s'est bien amusé. Bah, tant mieux. Ouais. À une prochaine pour l'année prochaine. Exactement. Ouais. Exactement. Allez. Allez, c'est parti. Bah, voilà. Cadeau des jeunes, on a passé 24 heures super ensemble, on finit sur une jolie commune, pas mal de poissons, 13 en tout les gars. Ouais. Je pense qu'on a passé 24 heures vraiment sympa. Ouais. Ah ouais, pas mal. Top. Et puis vivement la prochaine. Ouais. Je tiens à vous remercier pour votre participation. On a eu une belle édition encore cette année. Où le cran là, il était encore. Hein, la compète était encore plus. On est encore monté d'un cran. Ouais. On est monté d'un cran, déjà un plus grand nombre d'équipes. Et puis on l'a vu, il y a eu pas mal de bagarres, donc merci, merci à tous évidemment les jeunes qui ont, et aux parents bien sûr, qui ont fait l'effort d'amener leurs enfants jusqu'ici. Merci aux mentors aussi pour toute l'énergie que vous avez déployée durant ces 24 heures. Et puis voilà, donc on a une belle édition, on est très heureux de vous avoir accueillis durant ces 24 heures, puis on va pouvoir passer à l'essentiel. On va vous donner un petit peu les résultats, donc on va donner un résultat déjà global, Donc, durant ces 24 heures, il s'est fait 35 poissons. Poids total de 284,450 kg pour une moyenne à 8,127 kg. Donc, bravo, hein. Franchement, bravo. Bravo. Et donc, à la troisième place, et là, c'est un prix spécial, sur le secteur B, on a la chance sur poste 6 d'avoir deux demoiselles. Vinciane et Lilou, coachés par Quentin, avec 4 poissons pour un poids total de 34,015 kg. Bravo, bravo les filles. Bravo, bravo. À la deuxième place,
sur le secteur C, on avait Karl et Emilien coachés par Julien pour un poids total de 57 kg 325 pour 8 poissons. Pour 8 poissons. Bravo. Bravo. Les gagnants, et peut-être que vous avez déjà votre petite idée. Donc à la première place, secteur A, nos amis Yaël et Nathan, coachés par le néanmoins très célèbre Johan. Ils sont là. Ouais. Venez là les gars, au poste 4. Pour 13 poissons et un total quand même de 101,85. Donc avec un bel écart avec la deuxième place. Donc les gars, vraiment bravo. Bravo. Près de 50 kg de différence avec la place 2 quoi. Donc bravo. Donc on va finir cette battle avec un petit apéritif tous ensemble avec les parents et puis et les coachs, tout le monde. Donc voilà. Et encore merci à tous. Merci à tous et puis on se retrouve peut-être l'année prochaine. Voilà.